toi tu viens pas. T'as peur de l'orage donc tu viens pas. Salut. Bon, je suis dans mon garage. Je m'équipe. Temps très pluvieux et prévu pour être orageux ce soir. Donc j'ai toute la panoplie. Je monte le pantalon de Kawaii. J'ai les Kawaii, un poncho, la grosse veste. Voilà. Parce que je monte en quad sur le camp de Quentin. Et ils ont prévu un bel orage pour ce soir. On va voir ça. Allez, salut. Quentin a fini son échelle, super. J'ai posé mes affaires en dessous, moi je vais me mettre en dessous. Comme ça, s'il y a un torrent qui arrive, c'est moi qui m'ouvrirai la première. Plus ça va, il est bien au-dessus. Là. Alors, j'avais demandé à Quentin de me faire un four, et bah mission accomplie, bravo Quentin. Bonjour Quentin en fait. Coucou. Ça va, il est pas mort encore. Donc, il m'a fait un petit four. On verra ça plus tard. Parce que là, donc il s'est fait un petit abri, il a eu tout à fait raison. Et je vais m'en faire un aussi. Voilà. Alors, ça fait du bien des petites noix? Super bon. C'est bon les noix, hein? C'est de saison, hein? Le mec qui a faim. Et voilà, tarte peut monter. En appenti. Voilà, longue ficelle pour aller jusque là pour que je sois bien en même temps pas trop loin du feu. Voilà, bon, je suis encore un petit peu loin mais il n'y avait pas d'autres arbres hein, donc c'était déjà là. On a pris une branche et puis on pouvait pas plus près, c'était pas possible. Après, bah, système habituel, hein, en bas, pas avec des cailloux. Donc là, on a coupé ça. Moi, je vais me faire un siège. Parce que bon, Quentin m'a piqué le mien, que j'avais fait l'autre jour. Donc simplement, deux rondins en dessous, et avec un rondin au-dessus, hein, ça suffit largement. Et c'est rapide à faire, et ça permet d'avoir le cul quand même au sec et en hauteur. Voilà, le temps est mauvais, il pleut, hein, mais c'est pluviote, c'est pas... Ça va, pour l'instant, ça ne trempe pas, quoi. Ça y est, il est fini. Parce que bon... Et voilà! Bien, merci. Bonsoir. Bon, il va falloir que j'installe mon hamac après, avant qu'il fasse nuit aussi. Petite chose à faire avant la nuit. Ce qui est mieux de le faire avant la nuit. Enfin, ils annoncent des orages, donc après qu'on soit pépère tranquille autour du feu. Quoi. Bon, bah là, il va déjà commencer à faire nuit. C'est fou ça, 19h10. Bon, avec le sale temps. Donc on verra mieux demain, mais j'ai mis mon hamac. Une petite fêtière et le poncho. Ouais, voilà, là on voit rien. Je crois que j'expliquerai mieux demain parce que ça va être chiant. Voilà, mais le poncho et pour qu'il me protège les pieds, ça avait tendance à goûter un petit peu par là. Voilà, bon, il faut que je fasse mon siège.
Bon, on est confortablement installé. Il pleut encore un peu. Il pleut, mais ça va. Donc là, Quentin, il prend des braises avec sa jolie petite pelle. C'est beau. Et il le met dans le four. Super. Et c'est là, c'est éclairage total bougie. Donc là, dans ma petite bouteille de bière que je viens de finir. Là, une grosse bougie. Et puis là, une autre, mais qui s'est éteinte d'ailleurs. Avec la rallume. Quentin fait chauffer son riz. Il va manger du riz pour changer un petit peu. Voilà, j'ai fait ma petite mixture. Donc on voit pas bien parce que c'est tout recouvert, mais il y a de la pâte feuilletée en dessous. Après du thon, des tranches de tomates, de la mozzarella, un petit peu de gruyère. Et je vais mettre ça au four. Voilà. T'as mis l'assiette? Ouais. Attention, hein, tu pètes pas. Je fais quoi? Attention qu'il n'explose pas, enfin qu'il y ait pas les pierres qui explosent. Alors, je vais mettre la papote d'abord. D'accord. Ah oh non, 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 non. Bon, non, attends, bah, ça va aller. Non, non, ça va aller, t'en fais pas. Super plat, vachement bien. Regarde. Oui. Regarde. Bon, comment on fait? Tout va bien. T'écartes un peu les pierres, non? Regarde juste où ça passe pas. D'accord. Voilà, oh, elle a bien séché la boue, elle est dure. Tu peux la bouger si tu veux. Ah, celle-ci va tomber. Hein? Ah, celle-ci elle va tomber. Ah, merde. Ça va aller. Il y a du gruyère là. Tout va s'écrouler là. C'est de la boue, tout va bien. Ah, ça va. Allez, ça rentre là. Dis-moi que ça rentre. Dis-moi que ça rentre. Oui. Ouais. Oui. Allez. C'est bon. Je sais plus si c'était celle-ci. Je me rappelle. C'est Mikado là, hein. Un peu, ouais. Allez, la grosse. Voilà. Allez, 10 minutes au four. Et c'est prêt. Ah, ça va se casser la gueule. Ah ah. Alors, peut-être pour terminer la cuisson, ouais. On peut peut-être faire la méthode de Fifi. C'est-à-dire mettre des braises dans l'assiette. Ah oui, oui, génial. Ah oui, c'est une bonne idée ça. Du coup, on peut l'enlever du four. C'est ça. Parce que je pense qu'en dessous, c'est cuit. Ouais. Après, est-ce que ça a fait l'effet? Oh putain. J'espère que ça va pas tomber dedans. Yes. Oh, joli. Chouette. Magnifique. Ouais. C'est beau, pas. Donc la fourchette que j'ai faite hier, je fais, donc je l'aplatis, donc on aura, ça me semble pas mal. Et... pas beau ça? Les frites de piscine, j'ai coupé, comme ça, ça me permet de ranger mon couteau proche. Pas mal du tout ça. Elle est en train de se péter.
Ah non. C'est bon? Non, ça va. Ah, c'est bien le couteau de poche. Hein. Ouais, ça a l'air efficace. Ouais, ouais, c'est chouette. Après, je ferai la cuillère ici. Mon pantalon. Bon, je la ferai plus tard, j'en ai pas besoin. Voilà. Pas mal du tout, hein. Ouais. Waouh, magnifique. Superbe. Ouais, c'est joli. Ouais. Je peux jeter ça? Oui. Voilà. Petite assiette en inox, très 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 bien. Ouais. Mon vieux campeur, superbe. J'adore mon assiette. Bon allez, je vais manger maintenant. Bon, je me fais mon bon petit dessert. Donc, une petite bête cynorhodon. Coupée en deux. Elles sont pas super mûres, elles sont pas gelées. Un cynorhodon. Ah, un cynorhodon. Alors, ils ne sont pas hyper mûres. Un peu durs. C'est un peu chiant d'enlever toutes les graines. Hop, dans l'eau. Et puis après, on va faire chauffer ça. Il n'y en a pas beaucoup encore. Hein. Pour l'instant, ouais. Tu vois, c'est long. Hein. Ouais, c'est long. Et voilà, on va goûter ça ensuite. J'aime pas mes gros doigts. Mes gros doigts pleins de doigts. Mes grosses mains pleines de doigts. Oui, voilà. Avec les ongles rongés. Ouais, les cynorhodons qui cuisent. Attends, qu'est-ce que tu fais, Agnès? Je réaffûte un petit peu mon coutal. Ah oui. Il en a bien besoin, quand même. Ah. Ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mon doigt souvent devant. Oui, moi aussi, ouais. Pour bien vérifier l'angle. Ouais, ouais. Qui reste toujours le même. Tout à fait. Voilà, mon coucouche, il est prêt. Avec ma petite lampe. Quentin, il est au-dessus. On voit pas bien, mais il est au-dessus. Voilà. Salut. Allez, au dodo. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne tombes pas dessus, hein? Non. Bon, on ne dira pas l'heure, c'est indécent. Pardon? On ne dira pas l'heure, c'est indécent. Ouais, non, c'est sûr. On a Mais le soleil est là! Le soleil est là. Oui. Ouais, mais il pleut pas. Le soleil est là. C'est cool. Allez, salut. Je ferme les rideaux. Qui a fait ça? Bon, j'ai super bien dormi. C'est vraiment super bien. Donc, je vous présente le campement de jour. Hein, on voit mieux qu'hier soir, donc j'ai mis mon hamac en dessous. C'est un morceau de bois pour grimper, parce qu'il est un petit peu haut quand même. Voilà, donc le poncho, un poncho que j'ai retrouvé. Avec des pressions, ça c'est pas super, mais voilà, sinon il est rectangulaire. Et donc j'ai mis des pinces qui tiennent. On peut pas dire qu'ils soient vraiment maintenus, mais au moins... il bougeait pas comme ça, quoi. Voilà. Et je suis vite. À mes souhaits. Voilà, c'était histoire de protéger, parce que comme on peut le voir, ici, c'est un peu mouillé. Ça passait par là. Je fais le tour. Voilà. On peut voir.
sais pas si on voit, mais c'est mouillé ici. Voilà, donc c'était bien à mon avis que j'ai ça au bout des pieds. Et le reste est absolument sec, parfaitement sec. Toujours ma fêtière qui me sert à accrocher les choses au-dessus de moi. Et cette nuit, il a fait, et en fait, il a fait comme hier soir. Il a fait au minimum 8 et des patates. Et hier soir, ça tournait autour de 9. Donc on n'a pas changé de température entre le soir et la nuit. Ah bon ? Ouais. Donc voilà, la vue d'ensemble. Allez, on va petit déj, petit thé, petite banane, et ça sera très bien. Bon, ça fait un quart d'heure qu'on essaye plus ou moins, enfin que Quentin surtout essaye d'allumer le feu. Mais avec tout ce qu'il a plu, ce n'est pas facile du tout, du tout. Mais bon, on va être patient. Ah. Alors, du chocolat. Eh ben on va le laisser comme ça. Ah oui. Tout petit peu d'huile sur ça. Ça accroche pas. Et voilà. C'est du thé. Miam miam. Et voilà le résultat final. Trop bien. Voilà. Quentin, tout va bien ? Ça va. Ah. Allô ? Ouais, salut, toi. Ouais, ça va ? Mais c'est là vers quelle heure ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça marche. Ah. Ouais, bien. Ah. Allô ? Je crois que c'est le fait d'avoir passé quelques jours tout seul. T'inquiète pas plus. Ah. Il a un petit peu de mal, hein, avec... Le manque de communication. Comment on fait pour parler ? Donc il va falloir que tu rentres bientôt dans la civilisation, Quentin. Ouais. Ouais. Avec les inconvénients. Et oui, mais les avantages aussi. Alors j'en ai peut-être parlé, j'en ai parlé sur Facebook et puis peut-être sur une autre vidéo. Donc, je me suis fabriqué ce racloir avec une lame de scie. Et c'est absolument génial. C'est super. Cette cuillère, je ne l'avais jamais poncée. Je l'avais juste fait à la gouge. Et là j'ai essayé. Et voilà. Bon, elle était pleine de chocolat en plus, alors ça m'a permis de la nettoyer. Et là, elle est quasi lisse. C'est impressionnant, impressionnant. Franchement, c'est vraiment génial. Donc simplement à la meuleuse, et en fait il faut qu'il reste un ce qu'on appelle un morfil. Donc en gros un petit truc qui dépasse. Donc moi ça se fait avec un appareil spécial, mais moi il s'est créé tout seul à la meuleuse. Donc je l'ai gardé. Hein. Au bout d'un moment il va partir. Bah, j'essaie de le refaire. Là on sent bien, ça accroche en fait. Donc ça accroche. Et c'est ça qui ponce. Donc c'est super. Voilà, voilà. Ça permet d'économiser sur le travail de ponçage de façon extrêmement conséquente. On voit bien que ça décolle des morceaux de copeaux sympathiques. Voilà, voilà. Bon, il va bientôt être l'heure de partir. Moi depuis tout à l'heure, en attendant que Quentin range ses affaires, je fais m'amuse avec le bois, avec mon coutal, mon beau couteau. Il est où? Il est là. Voilà, je fais bien m'amuse. J'ai coupé ça, pas besoin de hachette. Donc plein de petits tronçons, en deux temps, trois mouvements. Et puis,
je me posais la question ce que c'était comme arbre, ça. Oui, ça nous a mis un peu l'ambassade du doute. Voilà un petit peu l'ambassade du doute, l'embarras du choix du doute. Oh, tu m'enduis d'erreur. On cherche des expressions. Regarde comme c'est beau. Regarde. Attends, je le refais. Attends. Oh, regarde comme c'est beau. On voit là. Ouais, mais ça fait pas aussi beau. Oh, ça fait vraiment... C'est magnifique, magnifique. Il y a deux dans le coin. Il y en a. Il y en a. Ah non, il est pas là. Il y en a. Ah bah non, elle est pas là, c'est vrai. Et puis il se le roule, il regarde. Et donc elle est pas là parce qu'ils annonçaient de l'orage et j'avais pas envie de me taper ces crises là. Elle est super chiante quand de l'orage. L'orage. Donc on se demandait ce que c'était comme bois. Parce que nous, à chaque fois qu'on voit un bois, on se dit c'est quoi ? Quentin, c'est quoi ? Et en fait, a priori, c'est de l'aulne. Je vais vous montrer un morceau. Celui-là, il est impressionnant. Donc avant qu'on le coupe, il était pas comme ça quoi. Là, il est orange de chez Orange. Et a priori c'est un aulne. Ouais, sûr. Ah, sûr. Ouais. Voilà. Donc à retenir. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. D'accord. Pas de problème. Tu sais comment ça finit. Ce genre de choses. En tout cas, t'es obligé de t'excuser. Je l'aime. Mon couteau, je l'aime. Voilà. Bon, on y va. Hein. Ouais. Regarde. Presque mieux qu'une plane. Je vais garder ce morceau de bois. Allez, salut. On se retrouve tout à l'heure. Oh merde. Merde. Bon, Quentin n'était pas prévu au voyage, donc déjà je n'ai qu'un casque. Ensuite, bon, j'avais pris deux sangles pour mon sac, mais voilà, on a réussi à se débrouiller à peu près pour 30-35 minutes de trajet. C'est ça. Bon, donc 30 sur les chemins forestiers et 5 sur la route. Tant pis, on ne s'y rate pas se faire gauler. Pas se faire gauler. Bonjour. Ouais, ça va être. On va être serré, hein, mon Tintin. Oui. Collé, serré. Voilà. Bon, on va dire au revoir maintenant, parce que. Ok, au revoir maintenant. Ouais. Ah oui, t'as dit au revoir maintenant. Ah. Allez, on dit au revoir maintenant. Au revoir maintenant. Allez, non, bah, c'était sympa le oui. Côté pluie, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus d'orage, mais ça sert pas trop. Non. Un peu plus d'orage, oui, Solero qui va venir aussi. Oui. Bah, c'était pas le cas. Non, on a mais c'était bien aussi. Coup. Par contre, là, ça pluviote un peu. Je pense qu'il fait bien de rentrer le père Quentin. Allez. Bonsoir. Ouais, bon allez, salut, à une prochaine bivouac prévu dans peu de temps. Ciao. Salut. Salut.